vainqueurs du même concours de dressage, le sergent-major Henri Chamartin, quelques mois avant son départ pour Tokyo, présente deux démonstrations libres de dressage avec ses chevaux olympiques. Le bai Wöhrmann, hongre-suédois de 12 ans, avec lequel il remporta la médaille d'or à Tokyo, et le bel alezan Wolf Dietrich, son préféré, hongre suédois de 13 ans, qui malheureusement hors de forme à Tokyo, ne put défendre ses chances. Utilisant ce que le XVIIIe siècle appelait fort joliment les aides secrètes du cheval, le sergent-major Chamartin dévoile, grâce au ralenti, les secrets du souffle de sa botte. C'est sur ces très belles images, où l'équitation rejoint la perfection de l'art, que nous désirons terminer ce film. Puisse le spectateur être convaincu avec nous que le fait historique du XXe siècle n'est ni l'avènement des dictatures, ni la désintégration de l'atome, mais bien la disparition du cheval de nos villes et de nos campagnes, en un mot, de nos habitudes. Nous sommes loin d'être des rétrogrades, et nous ne regrettons pas le bon vieux temps. Mais nous désirons maintenir à Lausanne des traditions équestres séculaires, à la gloire du cheval, notre ami de toujours.